Bonjour et bienvenue dans l'émission Télé Kit Mariage. Nous allons voir aujourd'hui la pâte Fimo pour faire des porte-noms de table. Dans ce tutoriel, nous allons réaliser ce petit chocolat. Pour ce projet, il faudra du marron et du blanc. Pour commencer, coupez deux lamelles de pâte blanche, puis malaxez longuement afin de chauffer la pâte Fimo. Donnez ensuite une forme rectangulaire à votre pâte et coupez une extrémité afin de vous réserver de la pâte pour le nappage au sommet. Une fois l'intérieur du chocolat réalisé, prenez une à deux lamelles de marron et aplatissez le tout. Disposez votre rectangle à l'intérieur et refermez le tout comme un paquet cadeau. Coupez les extrémités qui dépassent et refermez de chaque côté afin que le blanc ne soit plus visible. Lissez avec vos doigts pour donner un aspect nappage chocolat. Enfin, reprenez le morceau que vous aviez mis de côté tout à l'heure pour créer le nappage sucré que l'on retrouvera au sommet du chocolat. Comme moi, faites-le rouler pour lui donner un aspect fin et régulier. Créez des zigzags et essayez de ne pas tirer la langue lorsque vous êtes concentré, ce qui n'est pas chose simple pour tout le monde. Vous pouvez, à votre convenance, faire des traces de dents à l'aide d'un couteau. Ainsi, nous pouvons voir l'aspect praliné du chocolat pour un effet plus vrai que nature. Pour finir, munissez-vous d'une carte de crédit pour créer la fente au milieu et ainsi placer le nom de votre invité. Pour durcir votre chocolat, placez-le au four 30 minutes à une température de 110 degrés. Voilà le résultat final. Retrouvez plein d'autres idées, d'astuces et de déco dans l'e-book téléchargeable sur kit-mariage.fr où non seulement vous avez des réductions sur de nombreux sites web, mais aussi plein d'astuces sur l'organisation de votre mariage. Alors, qu'attendez-vous? Venez donc sur kit-mariage.fr.